moi. Quand je me sens touché, coulé, perdu, je me roule en boule et j'entends plus ces mots qu'on m'envoie au lance-pierre. Tout me paraissait faire sens, tout était aligné pour me plaire. Déjà, le fait que Nagui soit derrière ce projet-là, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est à l'origine de beaucoup de rencontres musicales qui ont été super importantes pour moi. Et le thème de la série, le fait de faire une chanson spécialement pour une création comme ça, voilà, tout me plaisait, tout faisait sens. Donc je n'ai pas du tout réfléchi quand il m'a appelé. Je pense que ma réponse a été immédiate. Quand je dis que je m'en fous, je mens. C'est qu'ils ne me quittent jamais vraiment. Ces gens qui me regardent de travers. Cette chanson a été écrite environ en 20 minutes, ce qui est quand même un record. Je me souviens du jour où on l'a faite. En fait, je suis allée voir Sage, avec qui je fais beaucoup de mes chansons. Et il s'est mis au piano, il a commencé à jouer quelques accords, et j'ai la mélodie qui est venue, mais en une seconde. Et le texte, immédiatement. Et en fait, c'était une vraie libération, pour une raison qui est tout à fait personnelle, c'est qu'en fait, j'ai moi-même vécu en fait un harcèlement scolaire quand j'étais plus jeune. Et avant que Nagui me propose de travailler sur cette chanson-là, je n'ai jamais eu l'idée d'écrire sur ce sujet-là. Il me paraissait trop gros, trop important, et je n'osais pas y toucher. Et quand il m'a fait cette demande-là, je me suis dit, mais en fait, oui, il faut, même pour moi, de façon tout à fait égoïste, il faut que j'écrive cette chanson-là. Et c'est pour ça, sans doute, qu'elle est née aussi rapidement, c'est parce qu'elle était nécessaire, elle m'était nécessaire. Et voilà, du coup, c'est quelque chose de l'ordre du journal intime d'adolescente dans ce texte. C'est pour ça aussi que les mots sont assez enfantins, finalement. Pourquoi faudrait qu'on se fasse du mal? Viens plus près que je te soigne. Pourquoi faudrait qu'on se fasse du mal? Mêle ta vie à ma vie, on pourrait se tenir chaud. C'était un vrai challenge hein, de trouver comment habiller cette série-là, parce que encore une fois, le sujet est tellement sensible, tellement important, plus que jamais important avec les dernières actualités, qu'il fallait faire ça de façon, sensible. Et je crois qu'on a réussi à le faire. Je crois qu'on a réussi à faire passer un message d'espoir, mais aussi voilà une alerte, quoi. Se lisser les plumes et se trouver beau.